Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Command & Conquer 3, la Fureur de Khaine. Et aujourd'hui, nous attaquons la dernière mission de la campagne de ce jeu. Et nous allons récupérer le Tacitus avec l'aide de nos marqués de Khaine. Ils sont encore pires que des enfants jouant avec le feu. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ignorent sa portée. Leurs expériences ont rendu le Tacitus extrêmement instable. Voyez comme son signal fluctue. Si on veut récupérer l'artefact, il faut faire vite avant de le perdre pour de bon. La conquête du Tacitus. Les marqués de Khaine se sont éveillés. Et le Tacitus sera bientôt entre les mains de Khaine. On a pisté l'artefact jusqu'au complexe fortifié de Jedi dans les montagnes rocheuses, où il est protégé par un bouclier d'énergie impénétrable. Attaquez cette base, prenez ses centres de communication et désactivez le bouclier. Vous pourrez ensuite récupérer le Tacitus. L'ascension est imminente. Préparation transmission vidéo. Ces fous du Jedi déstabilisent encore plus le Tacitus avec leur expérience. Il faut reprendre l'artefact des mains de ces enfants avant qu'ils ne le détruisent pour de bon. Ne me décevez pas. Le sujet là. Terminé. Gagne la lumière. Oui. Ça a l'air bon. Transmission. Légion. Le Tacitus et le noyau du Jedi se trouvent derrière des barrières d'énergie infranchissables. Capturer le centre opérationnel du GDI pour permettre le piratage de leur système. Sécuriser d'autres centres opérationnels pour accélérer le piratage de leur système. Pas de soucis, deuxième collecteur tout de suite. Ça, ça. Et maintenant, ce qui nous attend. On a trois nouveaux armements. Et ici, il nous manque un historique du note qu'on aura à la fin. Suite à la défection de Dr. Giro auprès de GDI, les expériences du note sur le TPR Mikin ont fini par porter leurs fruits dans le domaine des armements de combat portatifs. Les soldats T-Bone sont les premiers combattants dotés de ces nouvelles armes. Cette version cybernétique améliorée, lourdement blindée, comprend deux grands réservoirs et un pulvérateur renforcé qui permet de projeter du TPR Mikin sur des zones étendues en un clin d'œil. Ça remplace la main noire. Les éclairés. C'est l'ultime vision de Khaine. Cette armée d'éclairés dépouillée de toute humanité et tout libre arbitre est insupportable. S'ils éveillent encore quelques bribes d'humanité enfouies dans leur chair, les éclairés sont presque exclusivement mécanisés. Et des vestiges de leur forme humaine étant surmontés d'une armure de combat et leur visage caché derrière des masques ne laissant filtrer aucune émotion. Plus long que les éveillés, les éclairés sont bien plus puissants, puisqu'ils peuvent encaisser plusieurs attaques de mammouth sans broncher, puis répliquer avec leur regard. Leur rayon laser surchargé, leurs émetteurs IEM. Dévastateur. Suite à la déroute lors de la première guerre du Tiberium, Khaine a confié une mission secrète à ses plus fidèles partisans, créer une armée dénuée de tout libre arbitre qui obéirait aveuglément. Regroupés quelque part en Asie centrale, les chercheurs du Node ont donc travaillé pendant des années, et leurs efforts ont tout d'abord abouti à l'infanterie cyborg et un commando utilisé par Kabak dans la seconde guerre du Tiberium. Les éveillés constituent les produits finis de ces longues recherches. Ce sont des soldats du Node décédés, puis réanimés et contrôlés mécaniquement grâce à un implant neurologique relié aux nœuds de contrôle disséminés dans le monde entier. Mille d'armes à feu montées, au bout de leur bras, des émetteurs IEM puissants, ces guerriers cybernétiques insensibles font partie de la poudre des ponts du GD. En construction. La confrérie s'en remet à moi. Qu'est-ce que c'est? Coordonnées, ok. Il faut se mettre au boulot. Y a quelque chose? Voilà. Enregistré. Construction terminée. C'est l'heure de la moisson. Sur moi. Je vais récupérer ça. Patrouilleur. Confirmé. On ramasse tout ce qu'on peut. Option pour nouvelle construction. Alors, on peut pas faire de confesseur, il est vrai. Cependant, nos saboteurs vont beaucoup plus vite qu'un normal. Je m'explique. Avec ça, vos éclairés et vos saboteurs et soldats de Tiberium se dépassent extrêmement plus vite. Bâtiment capturé. Peut-être même trop vite. Ils s'amusent à couvrir, etc. Et... sélectionner ici. Pas toujours facile de rattraper. D'accord. Donc ici, il y a des centrales secondaires qu'il faudra détruire. C'est un objectif secondaire. Okay. Enregistré. Base ennemie en vue. On les voit sur le radar. Faut pas les perdre. Ouais. Construction terminée. On s'approche pas. Non, j'en ai pas assez. Ok. Coordonnées, ok. Ils se réparent automatiquement. Ça doit être des. Je suppose que c'est des Venom normalement qui devraient être grade 3 mais qui sont que grade 1, qui ont en plus amélioration laser surchargée. Mais bon. Je pense que c'est ça. Parce que moi je trouve ça bizarre quand même que des
Venom se régénère tout seul alors qu'ils sont pas gradés. Grade 3. Et bon, après, je vais me tromper. Hein. Alors, j'en ai mis deux là pour vite avoir des ressources. On peut faire un parti avec un seul, mais les ressources montent plus lentement. Je préfère moi aller avoir un gros boost économique là rapidement. Patrouilleur. Bah, déjà, on a toutes les recherches qui nous intéressaient, on les a déjà fait. Enregistré. Il faut savoir que les éclairés et les éveillés sont insensibles au one shot sniper. Ouais. D'accord. Ouais. Ils peuvent pas être éliminés en un tir. Ce qui est quand même mine de rien. Ok. Nouvel objectif bonus. Le GDI alimente les défenses de ses bases depuis des centrales externes. Éliminez-les. Voilà, ces centrales-là en fait fournissent sous énergie pour défendre leur base. On est détruit, ils ont plus d'énergie, ils ont plus d'énergie, ils ont plus de base. Option pour nouvelle construction. Entraînement. On ne les lâche pas. Unité d'accord. Unité ennemie en compris. Voilà. Enregistré. Donc là, cette base-là est détruite. Le GDI se terre dans des bunkers souterrains. Détruisez les sorties pour les condamner. Voilà, ils ont plein de troupes qui sortent régulièrement de ces bunkers-là. En les détruisant, on va limiter le nombre de troupes qu'ils vont nous envoyer. Ok. On suit la cible. Ah non, moi j'attends une tour de cible. Il est dans le viseur. Compris. Enregistré. Et du coup. Ouais. Enregistré. Eh, je vais détruire mes cigos quand même. D'accord. Okay. Donc le bunker le plus vulnérable manuellement c'est au centre. Une ok. En vue. Confirmé. Enregistré. Optimisation terminée. Faut les descendre. Reçu. Quoique. Enregistré. D'accord. C'est sûr. Mais c'est bien. On leur fonce dessus. On se trompe bien. Non, remets-toi bien s'il te plaît. Feu. Voilà. Ici on va faire ça, on va finir ces recherches là. En construction. Construction terminée. Et maintenant on va faire ça. Ils ne vont nulle part. On va les reçu. D'accord. Maintenant je peux reçu. Évacuer ces troupes là. D'accord. Unité attaquée. Enfermez-les les gars. Collecteur attaqué. On rentre à la base, allez! Organisation là. C'est sûr, dans 10 heures. On les a eus. Ok. Reçu. Feu! On les a eus. Pas peur de deuxième partie. C'est sûr. Enregistré. Option pour peur déjà, c'est déjà assez compliqué. On entend l'appel. En avant! En patrouille. Confirmé. Bon, là on est. Moi je suis plutôt content, c'est bien passé pour l'instant. D'accord. Faut les descendre. On suit la cible. Feu. Bah, ils envoient certes des chars. Ouais, ils m'ont détruit à gauche, tant pis. C'est qu'un CEO de Cyberium, donc c'est pas encore trop grave. Il est dans le viseur. Et je capturerai ça plus tard pour avoir ces sources là, parce que sinon ils vont me détruire pour l'instant. Et pour moi, c'est une perte de ressources conséquente en fait. Ces bâtiments, étant donné qu'ils peuvent produire énormément de ressources sur le long terme, je vais être sûr de pouvoir les conserver tout ce qu'ils produisent en fait. S'ils peuvent pas me produire assez de ressources, c'est pour moi pas rentable. Ouais, vaisseau Venom a décollé. Il est dans le viseur. On est parti. Ce qui est logique après tout d'un côté. Vaisseau Venom a décollé. Alors, je vais abuser des Venom dans cette mission là. On en est où? Il y a quelque chose? Ils ne vont nulle part! On est parti! Unité ennemie! Tous les ouvriers vous préparez à en voir beaucoup de ma part. En patrouille! Ok! Ouais! Et au milieu, et là je peux envoyer mon Redempteur. La machine de guerre. S'occuper un peu de tout ça. Sélectionnez une patrouilleur! En patrouille! Ok! Puissance maxi, quelque chose.
Bon, faut savoir qu'il existe ça, c'est quand même efficace quand même. Mais... On les a eu. Donc les Redempteurs. La machine de guerre. C'est pour ça que j'ai mis plutôt des grands flammes, parce que dans cette mission, parce que j'ai beaucoup comblé de Venom, tout ça, c'est vraiment si rien. Il est dans le viseur. Ils ont peur. Ça a l'air bon. Et comme l'anti-aérien est plutôt mieux géré par l'unité entre guillemets spécialisée là-dedans, bah je profite de ça pour renforcer sa puissance de feu contre l'infanterie. En avant. La machine de Kate. Unité à mort. Qu'est-ce que c'est? Enregistré. Ouais. Les ennemis. En avant, confirmé. Besoin de cible. Coordonnées OK. Enregistré. Coordonnées OK. Confirmé. Je sais pas ce qu'il fait. D'accord. Enregistré. On les a eu. Ouais. Des membres. Par contre, je peux vous assurer qu'à certains moments, nos troupes sont hors de portée et tirent dessus. Il y a quelque chose. Coordonnées, ok. Par contre, vous voyez que les Venons que j'ai construit. Eh merde! Désolé. Compris. Je viens de gaspiller du pognon pour rien. En avant. De toute façon, je suis obligé de prendre cette base là d'assaut, hein. J'ai pas le choix. Hein. On suit la cible. Donc, les mines que j'ai, moi, c'est des mines magnétiques et non pas des mines explosives. L'avantage, c'est que ça fait faire moins de dégâts sur un court terme, c'est beaucoup plus de dégâts sur un long terme. Donc, dans un assaut ennemi, et si l'ennemi n'a pas par quelque chose, ça a l'air bon. De semi avec, vous détruirez totalement les troupes. Y a quelque chose? Vous ferez aucun cadeau, enfin les véhicules, parce que c'est une efficace contre les véhicules. En patrouille. Gagnez la lumière. Coordonnées reçues. Si Gagnez. Patrouilleur, coordonnées OK. Base ennemie en vue. Optimisation terminée. Pas de choix. Déjà je fais des mauvais focus et que je tue pas les bonnes unités, déjà c'est sûr que ça me donne un gros handicap. Hein. Coordonnées OK. Feu. On suit la cible. On s'approche. D'accord. Enregistré. Voilà. J'attends. Un nouveau Redempteur. En avant. Mais aussi, il faut que j'ai trouvé cette base-là. Vous avez remarqué tout ce qu'il me produisait, c'est trop. Quelque chose. Il produisait un peu trop de troupes dérangeantes et je suis obligé d'aller la démolir. Patrouilleur. Vous débrouillez par n'importe quel moyen, mais cette base-là ne doit pas se blesser. Système de combat. Ça a l'air bon. Normalement, Redempteur one shot. Ça va. En avant. Ok. Et à mon avis, je vais faire un spectre. J'arrive. En avant. En patrouille, on est parti. Puissance maximale. Toute résistance est fuitée. En avant, enregistré. D'accord. Ils sont acidifiés. En fait, ce souci, c'est qu'ils ont tellement augmenté à 15 de tir que j'ai augmenté l'artillerie. Confirmé. J'ai Gurno. Je suis là. C'est n'importe quoi maintenant. Je trouve que 3 secondes, c'est beaucoup trop important. Opération lance. Il met 3 secondes pour recharger, je trouve que c'est trop, personnellement. 5 secondes, je trouvais que c'était une bonne durée. C'était ni trop rapide, ni trop lent. Les lâches vont mourir. Là ça rien, j'ai perdu. Par contre. La mort au sur un spectre. Unité avec la rédemption est large. Unité perdue. Ça a l'air bon. Il force trop là-dessus et. Discret et dangereux. C'est parti. Ils ne vont rien voir venir. Mon avoine. Vaisseau Venom prêt à décoller. Patrouilleur. D'accord. On ne les lâche pas. Qu'est-ce que c'est?
quelque chose? Une semaine homme prêt à décoller. Patrouilleur, on suit la cible. Alors j'essaie de dégommer la DCA juste pour me... On leur fonce dessus. Par contre toi il faut qu'il aille se réparer, sinon si je le perds je vais dans la merde. Faut pas les perdre. Ils ne vont nulle part. Voilà. Ça a l'air bon. Ce qui est assez logique en plus d'une certaine manière. Qu'est-ce que c'est? Cible acquise. Alors pourquoi je vais vraiment me déranger pour essayer de dégommer toute leur DCA. Ça a l'air bon, d'accord. Pour que mes Venons soient beaucoup plus tranquilles. Prêt à frapper. Pour en patrouille. Et une fois que cette base là sera détruite, surtout cette usine d'armement là qui est ultra dérangeant. Ouais. Reçu. La suite de la mission vous paraîtra bien plus simple. D'accord. Parce que les troupes qui sortent des bunkers sortent un terrain régulier à cette sortie d'un bunker, ça. Ils brillent face à la mort. Et c'est pas eux. Par contre, si je perds d'autres Venoms, ça commence à devenir compliqué. Camouflé à mort. D'un côté, je peux pas me permettre aussi de perdre trop d'unités aussi. En avant. Enregistré. On s'approche. Faut les descendre. Oh non. Non, non, ne vous saquez pas. Non, non. Voilà, mes Venoms se sont saqués. Voilà ce qui se passe. C'est parti. Nouvelle position. Ils sont tous mis au même endroit. Voilà. En patrouille, confirmé. Oh, là, je n'ai perdu la moitié. Compris. Reçu. Compris. Voilà, enregistré. J'en perds trop, j'en perds trop. En avant. Engagé. Qu'est-ce que c'est? Vous voulez descendre? Feu! Le Tiberium, il nous en faut plus. En avant. Prêt à frapper. Nous sommes de sortie. Gâteau bon. Il y a quelque chose. Une fois que ça sera fait, ça sera bon. Prêt à se battre. Glorieuse destruction. Non, non, c'est par contre pas que je perde. Nous sommes de sortie. Spectre en mouvement. Ils sont sortis du bunker là, ces troupes. Patrouilleur. Compris. On est parti. La mort rôde dans la pénombre. C'est vraiment une mission. En fait, ce qui est compliqué dans cette mission là, c'est de détruire cette base. Une fois détruite, en fait, la mission est tellement plus simple après. Ils ne vont rien voir venir. Cible acquise. Sélectionnez une cible. Ah, vous foutez des mines magnétiques pour me. Glorieuse faciliter le travail, je vais pas mentir. Ouais, c'est ça, des mines que je vous parlais. Bon, bientôt usine d'armement détruite, donc bientôt, je vais pas vous mentir, je vais vraiment être tranquille après, je vais pouvoir souffler. Parce que vous voyez le nombre de juggernauts qui m'ont sorti, ben voilà le problème de usine d'armement, c'est qu'ils sortent. Il va sortir un nombre incalculable de juggernauts qui vont. Honnêtement, vous faire stresser, parce que moi personnellement. C'est pas tout reposant d'avoir autant de juggernauts dessus, quoi. Kane et la lumière. Et voilà, c'est pas ce qui me reste en défense, quoi. Pour Kane. Avec mes Venons. Mais. D'un autre côté, j'ai ceux qui commencent à bombarder. Voilà. En fait, mes Redempteurs sont pas passés. J'aurais dû garder mon Redempteur en défense plutôt que en sacrifier deux, mais c'est pas grave. Il brille face à la mort. Je regrette pas en tout cas de l'avoir sacrifié. Que j'ai pu détruire en fait avant qu'ils arrivent sur ma base. D'un côté, ça va. Il y a qu'à dernière attaque qui a eu. Dans la qui aurait pu me tuer. On avoine. Mais voilà, ça n'a pas été le cas, donc nous on en profite. Entraînement. Ah. Bombardement. Et là on en profite. Ressources insuffisantes. Allez.
Youhou. Activé, nous sommes de sortie. Ils ne vont rien voir venir. Là, il y a plein de caisses de ressources. Discret et dangereux. De dissimulation, donc en gros, ça vous nous fait... sommes de sortie dans la pénombre. Par contre, tout ça récupéré, c'est toujours aussi camouflé à mort. Spectre en mouvement. C'est pas nous toujours facile de tout ça récupérer, ces caisses. Un vrai fantôme. Je vais en faire prêt à frapper un. Dans la pénombre. Quelle est notre guide? Destination confirmée. En avant. Enregistré. Ok. Unité compris. On les voit sur le radar. On est parti. Je serai discret. Unité. La mort rose. Juste une petite manque d'attention de ma part, c'est tout. Entraînement. Ouais, de toute façon, la vraie menace, j'ai neutralisé. Discret et dangereux. Camouflé à mort. C'est parti. Un vrai fantôme. Je doute qu'il... Ils ne vont rien voir venir. Maintenant, vous allez me dire, mais ils vont t'envoyer des exosoldats maintenant. Bon, là, je vous montre quand même ce qu'il faut capturer. Là, il y a double barrière à faire tomber. Bon. Camouflé à mort. Mais c'est que des exosoldats. Je n'aimerais de le dire, mais avec des Venom, ça ne pose aucun problème avec des exosoldats. Il est dans le viseur. D'accord. Par contre, qu'il m'y ait pète, c'est un peu énervant ça. Coordonnées, ok. Discret, profite. Patrouilleur. Poser cette situation pour les exploser, les troupes. Gagnez la lumière. Bombardement. Unité ennemie. Un vrai fantôme. Dans la pénombre. Maintenant, on va replier tout ça. Ça a l'air bon, ouais. On va appeler une équipe furtive. Prêt à on va mettre ça en contre. Discret et dangereux. Unité attaquée. Escadron d'acier. Des hommes d'acier. Démolissons-les. Ils se feront. En gros, en fait, les cyborgs, leur infanterie basse, c'est un peu des. Des soldats un peu d'élite. En tout cas, c'est les meilleures unités d'infanterie basique. Si Kane demande à la gloire de Kane. Patrouille. On suit la cible. On s'approche. Par contre, ce qui est dommage, c'est que les éclairés, qui, moi je trouve, est une très bonne unité, on peut pas les mettre dans des dans le Redempteur. J'ai toujours pas compris la logique. On les voit sur le radar. Robotique de haute qualité. Et par exemple, ça aussi, je peux pas les récupérer ces caisses-là. Il y a. Ça a l'air bon. Quelques soucis. Vos armes vivent pour Kane. Trop dérangeant. Camouflé à mort. On aimerait bien tout prendre, hein. Qu'est-ce que c'est? Et maintenant, je vais pouvoir me refaire un Redempteur. Et le protéger, cette fois. Voilà, ils ont plus de caserne, ils peuvent plus rien produire au centre, donc... En douceur. La deuxième priorité, maintenant, c'est le bunker. Par ici. Sans unité discret et dangereux. Sélectionnez une cible. Bon cauchemar. Les méchants, on est parti. On suit la cible. Coordonnées, ok. On s'approche, c'est sûr. C'est vrai que sans les frontes, c'est tellement plus. Reçu. Aux aguets. En silence. Ouais. Camouflé à mort. Voilà. Escadron furtif. On y va. Après, vous. Voie dégagée. Unité ennemie par ici. Voilà, une autre caserne. Le but c'est quand même de dégommer tout ça. Bon, ici ils ont un champ de Tibérium bleu. Sans un coup. Je vous montre quand même un peu la map. Hein. Par ici. On y va. Unité attaquée. Or, j'essaie toujours de dégommer le plus de bâtiments de production ennemie pour après pouvoir sans un coup. Entre guillemets faire ce que je veux sur un map. La mort rose. Sélectionnez une cible. Kane vous éclaire. Vous aguez. Par ici. Il y a une sauve qui a dû partir. Voilà. Il y a une sauve qui a dû partir. Camouflé à mort. Discret et dangereux. Prêt à frapper. Discret et dangereux. Camouflé à mort. Et je me demande une chose. Je me demande si je peux pas faire passer ici un spec pour qu'il bombarde directement en vue directe ça.
Oui, après il y a plein de petites combines. Bien équilibré. Vous retournez là-haut. On n'est pas fini votre boulot. Alors, c'est vrai que j'ai toujours pas capturé les ciseaux de Tiberium. Vous voyez, il y en a déjà 4 là. Les tours. Les réserves de Tiberium. Il y en a 4 là, il y en a 5 là. 6 ici. Ça. Bon, en plus, bien évidemment, en plus, ces réserves là. Vous voyez, il y en a encore 8. Il brille face à la mort. Nouvelle position. J'attends juste en fait de. Les ailes du Nord. En silence. Comment peut-on dire? Mode furtif. Qu'est-ce que c'est? Glorieuse destruction. Les étoiles. J'attends juste en fait de pouvoir y protéger plus de bons avant de capturer, c'est tout. Bombardement! Un vrai fantôme. Par contre, faut éviter que votre spectre en mouvement s'amuse à tirer là-dessus, sinon il va détruire ça. Pour Kane! Glorieuse destruction! Ils vont y passer. Voilà. Bien équilibré. Voix dégagée. Unité ennemie en vue. En douceur. Objectif bonus rempli. Et voilà. Une défense. Attaquée. Glorieuse destruction! Voilà. La mort va frapper. On va les liquider. Et maintenant, je peux bombarder ça en toute tranquillité. Et une fois que les bunkers sont tous neutralisés, vous voyez qu'à vitesse comme déplacement, ils sont ultra puissants en vie. Vu qu'ils se dépassent vite, ils peuvent facilement esquiver les grenades. Et voilà, gars, maintenant on explose. On s'amène maintenant à tout détruire. On laisse rien derrière nous. Ils peuvent me le détruire, c'est pas grave. Voilà, j'ai dégommé un bunker. Moi, c'est rentable. Ils ont peur. Honnêtement, je pourrais en perdre d'autres, ça ne dérangerait plus. On les a eu. On est dans 10 heures. Parce qu'ils n'ont plus de défense entière. C'est sûr. Coordonnées, ok. Faut les descendre. D'accord. On les a eu. On la prend en avant. Enregistré. Reçu. Ils ne vont nulle part, on en est où? Enfin, bah, okay. Eux, on va les éloigner, comme faut ça, les eux vont pouvoir se grader. Puissance maximum. On ne les lâche pas. On est parti. Tuons-les. Coordonnées, ok. Une démonstration. D'autres voilà. Résistances et futiles. En fait, ces centrales-là, vu que c'était un peu tout hors courant qu'ils avaient... On en est où? Nous donne un gros point fort par rapport à cette mission. On les a eu. Ils ont plus de défense. Enfin, ils ont plus de défense au centre. On la fonde. On la fonde. On se déracine. Tuons-les. Montré. Confirmé. On y va. On suit la cible. Faut les descendre. Quoi. Généralement, c'est beaucoup de troupes d'infanterie qui sortent de ces zones. Tuons-les. Ok. On est parti. La confrérie s'en remet à moi. Je peux être utile. Besoin d'un coup de main. Je vois. D'ailleurs, je peux pensais être que utile. Ici, il reste beaucoup de réserves de Tiberium. Je connais la. Alors avant de capturer ici, je dirais capturer les réserves. Oui. Faut pas les perdre. Pour une raison évidente, les ressources qu'il y a dedans. Unité promue. On la prend dessus. On va pas cracher sur 5000 quand même. Hein. Coordonnées, ok. Qu'est-ce que c'est? Enregistré. Exposition Tiberium détectée. Voilà. Je peux être utile sur moi. Puissance maximale. Bâtiment capturé. Qu'est-ce qu'il me faudrait de plus en fait? Entraînement. En construction. Construction terminée. J'ai pas exactement ce qu'il me faudrait de plus en fait. Illumination acquise. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Je connais la route. En construction. En attente. Unité ennemie. Comptez sur moi. Je peux être utile. Ils sont attaqués. Oh. Unité perdue. Ah mince, je me suis approché, ouais, ils l'ont reçu.
Ça a l'air bon. D'accord. Élimination. La rédemption. Notre base est libérée. Quelque chose, hein. Feu ! Il est dans 10 heures. Feu ! Enregistré. Vous les descendre. Ennemi au mur. Waouh ! En avant. Allez, je suis pas mort, je suis okay. Encore en vie. Enregistré. Complet. Unité ennemie en vue. Je ne sais plus. Confirmé. On les a eus. On est parti. Ah. Reçu. Eh, on en profite là. On en profite parce que là c'est. Bref, c'est une robotique de haute qualité et votre guide. On a vu, je peux encore en faire 10. Entraînement. Illumination acquise. Bref, avançons pour le Nord. Objectif. Nouvelle destination. Patrouilleur, en avant. En patrouille. Ah. Ça a l'air bon. Ces nains-là sont gradés. C'est deux être devant encore ce gradé. On y va. Unité promue. La confrérie, c'est la confrérie. Qu'est-ce qu'ils ont fait à moi? Unité ennemie en vue. Exposition Tiberium détectée. Robotique de haute qualité. Sélectionnez une cible. La confrérie, c'est la confrérie sans remède. On la fonce dessus. On suit la cible. La machine de guerre. La mort au bouquet. Ça. Sélectionnez une cible. Unité attaquée. En avant. Coordonnées au guerre. Ouais. Comptez sur moi. Besoin d'un coup de main ? Réduisons-les ensemble. Y'a quelque chose ? On est parti. Bâtiment capturé. D'accord. Ok. Même tous un enregistré. C'est plus possible. En avant. Je peux unité vous aider ? Attaquée. Il faut se mettre au porteur. Attention. Ils sont ainsi défis. En avant. Route enregistrée. Une mission. Reçu. Les ailes du Nord. Mode furtif. Alors le but c'est de regarder si autre part on peut récupérer des ressources en fait. Une mission. Je trace ma route. Un ici. Porteur, prêt à partir. Un gars. Un transporteur. J'y suis presque. On va vous emmener. Voilà. J'arrive. Ici. Base ennemie. Un transporteur. Unité. Voilà. On va vous emmener. J'y suis presque. Notre base porteur, est attaquée. Unité attaquée. Je viens. On en est où? D'accord. Unité de guerre engagée. Les armes sont engagées. Ça a l'air bon. Confirmé, on y va. Ils viennent d'où d'ailleurs? Coordonnées, ok. On suit la cible. D'accord. Ah bah voilà d'où ils viennent. Reçu. Tuons-les. On les a eus. Porteur. Patrouilleur. Ah, j'ai oublié ce deuxième bunker. Une mission. Concentré. En silence. Voix dégagée. Qu'est-ce que c'est? Voilà, on dégomme ça, comme ça ils ont plus rien. On les descend. Coordonnées, ok. Maintenant on vient ici. Un transporteur. On va vous emmener. C'est bon. J'y suis presque. Je trace ma route. Porteur. J'ai l'impression qu'on peut pas recapturer aussi. Porteur. Un transporteur. Unité. Figé. Bien équilibré. Une mission. Voilà. C'est assidu. Unité. Je peux vous aider. Ah bah voilà. Bâtiment capturé. Ils ont une immense usine d'armement devant. Il y avait totalement zappé ces usines d'armement. Discret, dangereux. Porteur, prêt à partir. C'est sûr que ça aide pas hein, quand on oublie le mode de la mort. Nous sommes de sortie. Je suis là, comptez sur moi. Donc ça c'est pas possible de capturer. J'écoute. Là, ça est possible. Qu'est-ce qu'il vous faut? J'écoute. Je peux vous aider? Bâtiment capturé. Je suis là. Alors, on va quand même encore construire des éclairés. Entraînement. Base ennemie en vue.
Patrouilleur. Ouais. Illumination. Et maintenant, on va profiter à fond de tout ce cyberhomme-là qu'on peut utiliser. Je peux être utile. Ma loyauté avant tout. Unité ennemie en illumination. Une mission. Trace ma route. Alors, je sais que j'ai toujours pas capturé d'accord. les centres de contrôle, mais il faut vraiment détruire base avant, de, avant d'aller plus loin. Reçu. Ouais. Reçu. Confirmé. Reçu. D'accord. Enregistré. Confirmé. Illumination acquise. Compris. On s'approche. C'est sûr. Coordonnées OK. Ça facilite vraiment le travail pour la suite. Ouais. Et ça évite de. On peut travailler ensemble. Sélectionnez une cible. À votre service. 10. Bâtiment capturé. Illumination à loyauté avant tout. Illumination acquise. Illumination. Ah, ça c'est bon, mon Redempteur, je sais même plus où j'envoie. À gauche, parfait. Donc il va revenir par à gauche pour détruire ce qu'il reste à détruire. Confirmé, on est parti. Puis ici, si vous voyez, on compte pas une caisse de ressources pour cette chose. Hein, si vous en manquez, n'hésitez pas. Escadron furtif. Demain, je vais récupérer tout ça. On ne les lâche pas. Coordonnées OK. Confirmé. Coordonnées OK. Voilà. C'est sûr. Tous les systèmes. Alors ce qui peut interpeller, c'est que je fais énormément de. Faut pas les perdre. Faut les descendre. De Venom. Compris. Commando ennemi détecté. On les voit sur le radar. Commando ennemi détecté. Confirmé. Ah oui, il y a oublié qu'il s'était interpellé. Il est dans le sol. Tuons-les. On ne les lâche pas. On s'approche. Feu. Faut les descendre. Tuons-les. Il est dans le viseur. On est parti. Feu. Reçu. Enregistré. Nos âmes vivent pour Kay. Tout ça, ils vont tous se ramener ici. En réparation. Maintenant il reste 1, 2. Entraînement. Entraînement. 1, 2, 3, 4. La confrérie. Il y a quelque chose. Confirmé, on y va. On voilà. Est la confrérie. Faut les descendre. Voilà. On s'approche. D'accord. On les voit sur le radar. Vaisseau Venom prêt à décoller. Sélectionnez une cible. Ouais, c'est sûr. Bon, je détruis okay. vraiment tout ce que je peux détruire. En avant, comptez sur moi. Besoin d'un deux ici. Je peux vous aider. Un gars. Je suis là. Et un là-haut. Oh, unité attaquée. En patrouille. Tuons-les. Confirmé. Ah, je sais, c'est vraiment bien préparé quelque tout chose. Ça. Je... Ok. En patrouille. Ouais, bien préparé. Ouais. Exposition Hyperium détectée. On est parti. J'essaie de préparer du mieux que je peux en fait la fin de la mission. Reçu. Faut les descendre. Ok. Voilà. Ici, ça se reçu. Il est dans le viseur. Attaqué. On la fonce dessus. Ok. Il ne vend nulle part. Et en fait, le seul doute que j'ai, je sais plus s'il y a des trucs qui viennent de là-haut. De la passe. Ouais. Unité perdue. Oh mince, totalement. Ennemis en vue. Pareil. On ne les lâche pas, c'est sûr. Enregistré. Voilà. Reçu. Ouais. Feu rouge va plus vite que vous. Confirmé. Y'a quelque chose. Ah, de mémoire, je sais c'est quoi, ouais. C'est des patrouilles en fait. Je peux être utile, je suis là. En avant. Bâtiment capturé. Gagnez la lumière. Il faut se mettre au boulot. Vu que cette tour on veut pas capturer, on va détruire. Bâtiment capturé. Si Kay me demande. En construction. La rédemption. On en est où? Construction. C'est ça. Unité. Il
font que traverser l'enfer. Ok. D'accord. Unité ennemie en vue. Déploiement. Et il faut savoir que dans la phase de cette mission-là, on va voir. J'ai oublié que ça prenait plus de 10 minutes en fait. On part sans attendre. La loyauté avant tout. Nouveaux objectifs. Elle m'a vite pété la barrière. Faut savoir que quand vous en avez un, ça diminue, chaque centre contrôlé, ça vous gagnez une seconde. Vous en avez trois, vous gagnez, ça diminue par paquet de 3 secondes. Et là, vous aurez bientôt la main noire et le note qui vont arriver, donc vous pourrez en voir en tout 3 rédempteurs. Si vous voulez, mais en réalité, un seul suffira. J'attends. Et pour le gold, vous pouvez en avoir jusqu'à 3. La loyauté avant tout. Manuellement, il faudra construire tous les autres bâtiments avant, mais. C'est sympathique comme dernière mission. Donc si vous voulez tout construire, n'en prenez qu'un et attendez, vous aurez le temps de tout construire. Ça a l'air bon. Confirmé, on les voit sur le radar. On les a eus. Il n'y a qu'à aimer la lumière. On ne les lâche pas. Voilà. Ouais, enregistré. Puissance maximale. Robotique de route à l'ouest. Il y a deux barrières à 4... Quand il restera moins de 4 minutes, la première barrière sautera et vous pourrez liquider ça. Nous sommes fidèles. Prêt à frapper. Barrière externe détruite. Ah non, 5 minutes. Le noyau du GDI est maintenant une cible de choix. Avant tout, gagner la lumière. La mort en unité. Aux armes. On charge. Sélectionnez une cible. Une démonstration. Voilà. En avant. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. J'attends. Allons également. En avant, unité à mort. Base ennemie en vue. Sélectionnez ici. Unité perdue. Patrouilleur. Déploiement impossible. Option pour nouvelle construction. Donc c'est aussi. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est que les améliorations. Vous avez plusieurs troupes du GDI, ou d'une autre, vous ne pouvez pas combiner vos améliorations ensemble. Sélectionnez ici. C'est pas compatible. Sélectionnez ici. Unité. Qu'est-ce que c'est ? Reçu. Ouais, la barrière principale va tomber aussi. Confirmé. Rédempteur en position. Chaud de bord. Construction terminée. Qu'est-ce que tu commandes ? Les lâches vont mourir. Ils ont deux commandos. Unité, la victoire est au. Barrière interne détruite. Le Tacitus est à notre portée. Mourir. Nouvelle transmission. Les expériences du GDI ont rendu le Tacitus plus qu'instable. Capturez le centre de confinement et récupérez le Tacitus avant sa destruction. Pas de soucis. Paré. Balata. En avant. Et voilà. On dirait que les marqués de Kane sont arrivés avant. L'Empire met option. Bah, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Là, maintenant, vous avez accès à tout l'arsenal en fait. Système de combat actif. Ce qui est dommage, ça aurait été marrant en fait de tout avoir dès le début en fait. En avant. Rejoignez la confrérie. Je suis là. Mais bon, pas avec, hein. Option pour nouvelle construction. Vous voyez, on a accès vraiment à tout l'arsenal du node dans cette mission. Système de combat actif. On peut avoir 3 rédempteurs. Bon, en réalité, ça sert à rien. D'en avoir 3. Bon, j'aurais dû faire normalement tout plein d'éveillé, plein d'éclairé, plein de sauvetium. J'ai une immense armée avant de sortir ma barrière. Pour justement avoir aucun souci. Avec la première barrière. En construction. Ça, c'est un détail. Construction terminée. Ah, troisième raffinerie. Option pour nouvelle construction. En construction. Ils ont peur de moi. Et moi, je vais faire un saboteur. Pas bon de plus, un seul suffira. La confrérie s'en remet à moi. Le transporteur arrive. Démarqué de Kane parce que c'est seul qui peut avoir rajouté sa xérie. Bon, par contre, les technologies qui sont en commun en chacun, hein, par exemple, c'est opérationnel, il faut tous les mêmes recherches, sont automatiquement débloquées. Ce qui est logique, d'une certaine manière. J'arrive. Discret et dangereux, nous avons l'avantage.
Et il me reste encore quelques explosions au centre. Construction terminée. Sélectionnez une cible. Bon, je suis pas stressé. Ouais, par exemple, sans labo technique, c'est de rechercher à son commun, celui-là est différent, donc celle-là on peut la faire, mais les autres sont déjà recherchés. Donc ça veut aussi dire qu'on peut avoir triple arme nucléaire si vous voulez. C'est vrai que j'ai pas utilisé une seule fois ma super arme dans cette campagne. Je suis en train d'afficher un peu de signe, je vais utiliser. Et ici, ben, condensateur laser. Optimisation. Est-ce que j'ai... Et en fait, je me pose une question, est-ce que je peux avoir triple missile nucléaire, en fait. Nous servons le problème. Et là, le bâtiment se dégrade avec le temps de lui-même, en fait. Porteur, Ferranti. Je trace ma route. Une mission. Bah bon. La main noire a cette capacité là, c'est qu'en fait, quand vous, dans une zone, dans cette zone là, si vous avez des troupes qui meurent, ils ne meurent pas vraiment, vous avez des éveillés à la place. Le compte à rebours final. D'accord, on peut avoir qu'un missile nucléaire. Dommage. On peut travailler ensemble. Ah, mais c'est pour vous dire à quel point cette fin de mission est ultra simple. Vu le nombre de ressources que j'ai, vous voyez. Au nom de Kane, je m'en parle du Tacitus. On l'a ! J'arrive pas à le croire. Oui, nous avons été testés. Mais au final, nous avons tenu bon et nos efforts ont été récompensés. La prophétie s'accomplit. Le Tacitus est enfin entre nos mains. Il est extrêmement instable. Le GDI l'a peut-être endommagé à jamais. On doit l'utiliser avant qu'il ne soit trop tard. Légion, mon enfant, vous êtes ma plus belle création. Il est temps pour vous de jouer votre rôle. Il est temps d'accomplir la mission pour laquelle vous avez été créé. Une vision. Un objectif. Et c'est là-dessus que ça se termine. Le test est déstabilisé, j'ai oublié de lire le rapport. Normalement on devrait pouvoir y avoir accès à la base de données. Le test est déstabilisé, j'ai oublié de vous lire. Voilà. Cette astuce est stabilisée. Je tiens d'abord à vous faire part de tout respect que j'ai pour l'expertise professionnelle et l'ensemble de votre équipe. Vous êtes les meilleurs chercheurs du pays, si ce n'est du monde. Ça se dit juste un texte quant aux dernières démarches. En effet, vos rapports concernant la stabilité de l'astuce me préoccupent fortement, le conseil et moi-même. Apprendre que l'astuce a environ 15% de chance de se détruire et que pour ça l'augment à chaque test n'est pas acceptable. Je sais que vous avancez sur un terrain glissant, mais il faut que ce soit bien clair. Si une action quelle que soit met en péril la stabilité de l'astuce, vous devez y mettre fin sur le champ. Désolé d'adopter une posture aussi radicale, mais l'astuce passe avant tout. Trop de gens sont morts pour récupérer, nous ignorons la portée qu'aurait sa destruction. Surtout qu'il est irremplaçable. En gros, peur d'astuce reviendrait à tirer un trait sur des années de travail. Je serai auprès de vous pour en discuter dès lundi, en attendant, pas de folie, à lundi, Théo. Non, pas chargé. Et voilà, nous avons terminé le jeu à 100%. Et en difficile en plus. Hein. Comme ça, je vous prouve bien qu'on a fini. 13 missions que j'ai adoré personnellement. Ça me donne envie d'essayer d'avoir le Kang et Conquer, d'avoir en gros l'épisode précédent pour la seconde guerre de Tiberium. Pour en apprendre beaucoup plus sur Cabal, parce que c'est vraiment intéressant. En tout cas, très bonne histoire. De ce que j'ai à peu près compris par rapport à la fin, pour ceux qui se posent des questions, en gros, l'ascension c'était pour utiliser les tours, Légion devait avoir le Tacitus. En fait, la tour qu'on a protégée dans l'ancien opus, donc en Encore 3, la guerre de Tiberium, je pense qu'il fallait le Tacitus pour que Légion puisse l'utiliser et ouvrir un portail interstellaire en fait.
C'est ma conclusion. Je pense que c'est ça, comme ça après le node va pouvoir aller dans pouvoir visiter d'autres mondes, etc. Je pense que c'est comme ça. Je n'ai pas joué à Command & Conquer 4, donc je ne vais pas faire d'autres extrapolations. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé un grand moment en ma compagnie à travers ce walkthrough là. Je vous remercie d'avoir regardé entièrement. Je vous dis à une prochaine fois pour un autre walkthrough. D'ici là, portez-vous bien. Et à tout le monde. Et encore merci de regarder ce walkthrough. Et à une prochaine fois.